Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le guide de l'événement spécial Fantasmagorie dans Pokémon Go. Allez, c'est parti. Donc cet événement a déjà commencé et il prendra fin le 13 septembre à 20h. Durant cet événement, nous avons des Pokémon de type Psy qui sont disponibles en masse dans la nature. Et parmi ces Pokémon, nous avons un petit nouveau dans le jeu et c'est tout simplement Sepiatop. Et pour le faire évoluer, vous aurez besoin de 50 bonbons et aussi de retourner votre téléphone. Oui les amis, ce n'est pas une blague, vous devez vraiment retourner votre téléphone pour le faire évoluer. Lorsque vous prenez en photo un Pokémon, vous avez une petite surprise et c'est tout simplement la capture d'un Sepiatop et vous pouvez faire cela une fois par jour. Pour les collectionneurs de stickers, j'ai une bonne nouvelle pour vous car il y a des nouveaux stickers que vous pouvez avoir dans la boutique en tournant des Pokéstop et dans les cadeaux de vos amis. Maintenant, on va se concentrer sur les Pokéstop car nous avons des nouvelles quêtes spéciales dans les Pokéstop. Et grâce à ces quêtes, vous pouvez avoir Sepiatop et tous ses Pokémon. Nous avons aussi une nouvelle quête spéciale à durée limitée. Et si vous la finissez avant la fin de l'événement, eh bien vous aurez toutes ces récompenses. Et ce n'est pas tout les amis, car nous avons aussi la suite de la quête spéciale Chenapan incompris. Je vous le redis quand même les amis, mais c'est tout simplement la quête spéciale 2 ou pas. Ensuite, allons voir ce qui se passe dans les raids, car nous avons des nouveaux boss de raids, les voici. Comme vous le voyez, nous avons le petit Sepiatop dans le tier 1 des raids. Et dans les raids légendaires, nous avons encore Lugia avec sa version Shiny qui restera jusqu'au 14 septembre à 10h. Et pour finir les amis, voici tous les Pokémon Shiny que vous pouvez avoir grâce à cet événement. Et bien sûr, je vous souhaite bonne chance. Et voilà les amis, c'est fini. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez eu un nouveau Shiny ou pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao !